Elle me dit oh, comment est-ce? Bon, nous là, salut Marie-Raphaël, qui est obligé d'attendre chaque matin là. Il a été mangé piment bouc, matin c'est miel moi pas. Donc, c'est. Obligé de faire un douce, un chaud. Je te salue tout, donc c'est un grand plaisir toujours de participer à l'émission avant. Donc, situation pas facile, mais on a essayé de survivre. Mon cher, mon bon misère, ou parce que la soirée là, m'de la 12 janvier 2010, m'de la dernière, m'de parti pour 4 jours, et puis m'fait un mois et demi dehors. Et je dis à la, ou t'es parti, ou à non mariage, et puis ou tout bloqué? Moi bloqué, moi là, m'gè depuis 22 février, donc m'gè plus qu'un mois là, donc c'est une situation difficile, c'est avec les prisons d'ouvrière, qui pas intéressant parce que ou branché Haïti même l'ou abdormi l'ou attendre ça qu'a passé a ou tout en bon ou t'as parlé de WhatsApp tout à l'heure là donc WhatsApp la connecté la tête toute la journée ou presque pas dormi vraiment parfois gain de l'eau va t'imaginer plutôt de l'action côté deux comme ça parce que ça qu'a passé dans la vie. C'est une situation difficile. Mais bon ou même quand même on capable dire peut-être que ça capable déranger parce qu'on pas partir pour arrêter mais son bénédiction lié pour l'ombre parce que grand monde là c'est collage en bail pour monter hélicoptère pour guider par Port-au-Prince. Pour soit pour aller au Cap ou bien à Saint-Domingue pour capable quitter pays hein ou même ou chercher sous tes dehors. Oui mais pas oublier c'est son visa gagné donc en ce sens pour pas faire plus que 3 mois là donc pour dégager ba mon pays pour garder qu'on va l'entrée on va voir qui ça va le coûter pour entrer ça donc c'est pas facile donc on va casser et puis qui tout vient t'attend tout à l'heure vas-y mais on va aller non t'attend de pour me dire que extincteur pas me quitter 10 dollars pour moi parce que Je ne sais pas si vous avez un bon moment. Mais moi-même, je ne sais pas si je vais acheter. Alors, monsieur, il y a l'heure, alors tu as un bon business, mais il y a deux bagages pour pas mettre ensemble. À savoir, on va faire comme, on va faire comme la facile, après qu'on y a alors, on a 15 ans, comme la soutien rapide. Non, moi. Et mais comment écrire, frère? C'était la vie, il y a l'époque là. Si on a un bar, on fait ça. D'autant plus que on a une princesse là. On va faire comme ça. Je vous dis, princesse, qui est bien, qui va arriver? Hein? Kounyo parle la rue encore, c'est pourquoi ça s'abonne on parle la rue encore. Non, m'basou machin informel là. M'basou machin. Et il n'y a pas Port-au-Prince. Je vous dis, ça n'a pas suivi Port-au-Prince là. Si moun gal l'école au CAI, si moun gal l'école au CAP, si moun gal l'école bord de paix, donc le reste du pays fonctionne. Il n'y a pas fonctionné, et bien, mais il a fonctionné en quelque sorte. Bon, gros danger, avec des versions, je fait là, qu'on y a un pile, mon cap qui était Port-au-Prince. Dans le sud, là, c'est un mot, comment c'est réglé, qu'on y a, quand il montait tête nègre, parce que mon a débarqué, quitté Port-au-Prince, quitté Carrefour, pour aller descendre de bois, ça, c'est notre problème pour nous penser à lui-même tout. Donc, c'est réflexion, ça, que nous allons faire pendant 2 journées, avec mon dans la diaspora, pour nous comprendre que, jodi a, nous ne pouvons pas sortir dans sa nia, si nous pas intégrer haïtien de yon, tout en abgade blanc. Et c'est réflexion ça nous va faire 2 jours, on est capable de dire dans Miami, très satisfait de réponse jusqu'à présent. Là qui niveau intégration ça et sous plan économique n'a pas essayé d'en faire. Bon, moi tout n'a chiffre 4 milliards de dollars. Non, 4 milliards là, il y a 1.4 qui allait en République dominicaine, là ça n'a pas brûlé, là manger, parce qu'on pas fait manger, on a importé. Donc l'argent qui est entré à gros étude que ou économie 1.4 milliards là. Là. Que nous achetons les dominicains. Elle va acheter les dominicains. Bonne bouche acheter les dominicains, il gratis acheter. Oh, Abinader fait faire avec nous état ça. Mon chapeau moi doit lui. Mais Abinader même pense que monsieur son affaire élection il est là qui a balancé le problème donc il besoin monter le pied anti-haïtien pour qu'à attirer ça n'est capable brider l'extrême droite dominicaine. Bon, c'est pas super mais ça c'est son bail bien spécifique monsieur Abouel là réellement avec un pile pertinent. Donc 1.4 milliards de dollars américains, 4 milliards là qui a. 4 milliards d'entrée, il pas favoriser l'économie haïtienne vraiment non parce que si on prend pour ça les balances commerciales là. Nous importer pour plus que 4 milliards de dollars américains et nous exporter
pour aujourd'hui là pour moins que 1 milliard de dollars. Ou dis-nous où est trou ça? Vas-y. Non, ou dis-nous importer pour plus passer 4 milliards. 4 milliards. Et ou exporter pour moins autour de 1 milliard en général. Donc qui veut dire un trou de 3 milliards. C'est un qu'on match football, ou prend 4 goals ou ba youn, donc pour du match à 4 à 1, donc différence goal là c'est 3. Qu'on y a comment combler 3 ça? 3 ça combler grâce à diaspora, ça a eu des transferts de devises sans contrepartie. C'est ça couvre tout. Si que après 2020, nous avons une situation, transfert a été réduit de 4 milliards à 2 milliards ou 1 milliard, dollars américains, tu as aujourd'hui 200 gouttes, 240 gouttes, 250 gouttes. Pour qui ça que dollar était à niveau que l'on a aujourd'hui là, puis grande source de devises aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Moun ka boue kob dans l'économie haïtienne, non, il va l'autre bagaille, c'est transfert diaspora. Il est plus gros. Nous avons bon chiffre tout à l'heure. International, la, assistance internationale, la part de 2 milliards de dollars américains. Un bon chiffre que l'investissement direct étranger est insignifiant. Et qui l'a joué à montrer cette diaspora. Donc, ça qui est équilibre aujourd'hui, c'est comme ça. Maintenant, ça, comme l'a fait. L'Elvini, ça le fait, c'est consommation. Il fait consommation. L'en manger, il fait consommation. Il fait consommation dans le pays caille jusqu'à enterrement. Donc tu dis que comme la centrale sortie sont tout vide ou pas qu'un bill. Donc en ce sens, comment pour diaspora lui-même t'as qu'à faire des activités économiques en pays un d'abord manger à supposé cause de production pour bail service manger à ou qu'on donne par exemple vide à bail 40 50 millions de dollars américains pour cantine scolaire. Mais est-ce que comme ça 40 50 millions de dollars américains, est-ce que c'est pas manger dominicain à l'acheter? Est-ce que c'est pas manger sorti dehors? Comment vous t'as fait agriculture au niveau local, au niveau des départements? Donc voilà un petit peu l'idée pour que nous passions le Santa capable la construction économique pour l'argent capable pour l'argent qui est utile. Voilà un petit peu encore l'idée, le transfert privé pour garder qui possibilité pour supporter l'économie pour capable une croissance économique. Un jeune économiste qui était dans la Banque centrale, M. Van Haïti, M. Afrikounia, il est le prophète qui fait étude ça, qui montre finalement comme ça capable de coûter plus tôt. Sous mal géré en quelque sorte. Et non, chita tout avec Fondé Julien, qui est un élève en Haïti, monsieur le sommet avec nous, monsieur a mené l'autorité américaine, parce que nous ne pouvons pas arrêter simplement son affaire de l'argent, parce que Haïti, très des États-Unis, son bon bagage, nous, à côté là-dedans. Mais Haïti, trop proche des États-Unis, et il y a un article qui sorti, Yannick Klein sorti là, qui est très intéressant, comme vous recommandez, non, qui sorti en France, qui ont exactement, qui s'est un cas que vous publiez, donc, une activité internationale, qui montre qui ça, ZAM cap entrer dans le pays d'Haïti, plateforme dans ces, et m'a dit, Miami, en Floride, que lui. C'est dit que quel sorti Colorado, quel sorti dans le nord des États-Unis, mais plateforme dans ces là, que lui, ensuite, pour descendre en Haïti. Donc, je dis à Bal Cap Founi là, donc, il faut garder ça qui passe en Floride là tout. Et il y a des autorités haïtiennes-américaines qui commençaient à poser problème là. Et Yannick Lahens, il a fait gang là tout. Il dit que une série de déportés qui vraiment étaient passés dans la prison américaine, donc leur débat qui est en Haïti, donc nous, qui course à gagner. Donc, leur proche, donc, pour l'économie, pour bénéficier de lui. Mais leur proche d'une société qui a un problème partout, qui n'a pas trop collé des amis, balles, et j'ai que la relation sociale que le développé avant, donc ils mettent dans une situation assez difficile en quelque sorte. Tout problème ça va pour nous poser, c'est pour nous garder des transferts simplement, pour que l'économie a marché, l'environnement des affaires là supposément. Donc, instabilité politique qu'on a là, insécurité qu'on a là, même si tu as gagné l'argent, si tu n'as pas nettoyé l'environnement, c'est extrêmement difficile pour faire développement. Maintenant, on sommet international et finance et Miami et qui ça nous espérer de un sommet. Bon, c'est vrai ou dit c'est aller joindre diaspora et du fait et n'a fait dans mi-temps et diaspora et ou parler de contribution ou là déjà et qui ça nous espérer par exemple dans mi-temps bon quel vrai, quel pas vrai, parce que moi-même, ou dit, ou même, nous avons une possibilité pour nous garder qui niveau gagote qui gagne, justement, dans et participation ça, qui bien défini diaspora fait dans FNE, et qui sont espérés d'habitants, scandale ça en tout cas, il fait un scandale. Quel vrai, quel pas vrai, mais un scandale.
et sur tout niveau yo, les politiques, les économiques, les sociales, je vous pose une question qui ça nous espérer et thème n'est capable pour un peu l'un des finances là et ça permet là aujourd'hui bon me disait pas la finance privée simplement, me parler de finances publiques, me parler de finances solidaire et parler de finances privées parce que vous avez tous les trois pour développer un pays. Mais qui s'en espère? Nous espérons que haïtiens que la diaspora parfois les connecter trop sur Haïti tout. Il va garder ça qui passe dans pays mon tout. Mm-hmm. Même que on en Haïti après c'est des monde l'autre beaucoup là dit moi je mettre le bail qui là. Pour que haïtien pas consommer simplement nouvelle locale. Il faut que imposer là dans pays. Bon côté il est Washington DC qui est la capitale fédérale que là il y a un rue que les K Street. Son rue les Kulaka, rue ça a toute qualité lobbyiste pour 50 États et pour le reste du monde. D'ailleurs, quand on entendait que le président haïtien, il n'y a pas longtemps qu'il baille l'argent pour faire lobbying. Pour parce que la politique américaine, les haïtiens comprennent très bien. Ou bien Congrès, ou bien White House, Maison Blanche, ou bien State Department, ou bien Pentagone, et chaque gain, on est capable de dire, activité par eux. Il n'est pas toujours aligné. Parce qu'on n'est pas capable de mettre toute démocrate dehors les républicains sous pouvoir. On n'est pas capable de mettre toute république dehors les démocrates. Non, il dit que faut capable haïtien pas bon s'établir dans la diaspora. Faut comme si parce que tu es coupable, si comme si tu vis là, si tu décides de vivre là, après c'est américain pour eux. Après toujours être haïtien. Mais faut capable influencer couloir pouvoir. Ça va passer en Haïti, n'a joué, américain fait ceci, américain fait cela. Mm-hmm. Mais si haïtien impliqué pour capable influencer décision à travers vote, à travers circuit politique là, donc sur le plan politique, il faut qu'on comprenne. Et ça fait que nous, mon panel l'a fait avec des autorités haïtiano-américaines qui a fonctionné aux États-Unis, pas capable de et pour connaître le problème, comment pour influencer les décisions, comment pour faire pouvoir américain, hein, que le démocrate, que le républicain, il ne faut pas chiter à tout le monde, mais un démocrate tout, parce que là, ça, le républicain est capable de dire, mais c'est démocrate, que, donc il faut être capable de mixer, il faut nous suspendre la parole. Même si on est en Haïti, là, là, ce qu'on peut acheter, pas bon, ici, pas fort, du tout, c'est un républicain, un démocrate l'a fâché, donc non, il faut comprendre comment la politique l'a fait dans le pays. Ça, c'est politique question. Hein. Faut, et nous parlons de sécurité à tout, parce que Floride, son plateforme, côté que un pile d'amis sorti, et on montre au schéma, son gros think tank qui fait schéma ça, qui montre aux âmes de sortir dans plusieurs états, parce qu'on est aux États-Unis, les âmes fonctionnent, son bail qui est tout à fait normal. Et comment elle descend à travers la République dominicaine, comment elle descend à travers la Jamaïque, et comment elle descend à travers Haïti. Donc, si vous êtes bloqué ça, donc comment Haïtiens et Américains supposés influencer ça. Ça, c'est l'aspect social là, nous parlons de déporter et tout. Et aspect économique là, ça, nous expliquons tout à tantôt. Donc voilà raison que nous faisons sommet depuis avant que la crise là dérive dans le point ça. Donc 2024, c'était plusieurs activités à l'extérieur. Nous avons pour monter New York tout. Et nous avons attention au Canada. Et même faire une activité Caraïbes avec l'Afrique parce que le sommet que nous voulons faire Kigali. Parce que compagnie, nous fait 30 ans faire des bagages en Haïti. Nous pensons faire assez que des bagages apprennent. Donc nous avons essayé de garder comment nous faire ses voies fonctionner et mettre Haïti sur l'autre. Image et problème qui a été gagné, ce n'est pas seul problème, quel seul pays qui a des problèmes. Ça, il y a des problèmes communs. Nous avons un économiste qui est basé à Kigali, qui a un bon contact avec elle. Nous avons un Jamaïque, même bagaille. Et c'est même bagaille à savoir migration, transfert. La transfert, la vie, nous avons une grosse âme, je dis, à la toute économie. Le Mexique, c'est l'économie qui a plus transfert au niveau de région. Je vais vous donner une information pour nous poser une question. Là. Pendant qu'on a reçu 4 milliards de dollars, nous disons pas qu'il y a pas gelé parce que. Ou une économie de 20 milliards de dollars américains, c'est un pays beau là, et je dis, la République dominicaine, qui n'a pas plus de monde de passé, en décembre 2023, ils ont annoncé que recevoir le transfert de devises de la diaspora 10 milliards de dollars américains. Pour qui ça écart de 6 milliards de dollars ça? Pour qui ça dominicain, qui a moins pour nous passer, c'est pour à peu près 10,5 millions, nous même après la prochaine de 12 millions. Diaspora dominicaine n'a joué un moyen que vous voyez plus l'argent la Cali, 10 ou même vous voyez moins 4. On y a fait regarder qui politique éducation. Est-ce que je dis à la ne pas supposer un gars de sa capacité dans Biden? Non, qui moun ki pa go moun ki pati dans Biden? Eh bien, moun ki pati dans Biden, non, on y a fait préparer parce que s'il parle anglais plus rapide, la ka intégrer l'économie américaine plus facile. Une variable que je pense que favorise les Dominicains, c'est affaires de langue, la panyol. Vous ne parlez pas l'anglais vraiment? Exact.
Mais c'est comme si Panyol là sont et pas comme si non Panyol là et communauté rapide bien organisée. Panyol espagnol là son langue qui presque gagne même valeur anglais et aux États-Unis. En tout cas, me dit plus que anglais à côté mia. Donc là, mami mon parle anglais. Florida mon parle espagnol en pile. Ou l'hôtel oui. Dit que vous ne posez une question, c'est un espagnol votre haïtien qui me connaît là. Sont haïtiens dominicains les plus beaux que créoles. Donc c'est pour vous dire que ça sont avantages pour lui. Donc nous pas capable de dire pas bon politique publique puisque mon a parti ne pas qu'embé et des fonds préparer tout pour que mon ka intégrer économie. Donc même je dis m'a dit jusqu'à ça on d'affaire nous quitter français à l'anglais mais anglais li ka plus important pour nous lorsque n'a migré comme ça. Et pour être capable d'intégrer un d'un pays mondial. Même là où de plus en plus, de plus en plus nous est dans quelques institutions publiques aux États-Unis, services surtout yo bail yo comme t'as dit et ouais langue ouais créole alors dans quelques moins visités yo mettez créole là. La Floride, Maya Rafael, je ne me rappelle pas qu'il aime l'île, mais créole est la troisième ou la quatrième langue qui parle dans la Floride, c'est juste. Donc, il reconnaît sa créole là représentée réellement. Bon, moi, je ne sais pas. Vas-y. Ça, on a fait, on va penser à la chose. Bon, Wanda fait, et même visiter Wanda, je vais regarder que la génération n'a toujours pas les français, mais je viens de tout le monde en anglais. Donc, en ce sens, ils font intégration, l'économie a bénéficié considérablement pour lui. Parce que parler français la zone côtoyée là par rapport nous pas plus qu'on 4 5 non la zone là qui parle francophone c'est ça zamdo donc ce qui signifie que même m'encourager que monde parle plus nous parler plus non nous pas c'est pas ça pas veut dire nous pour mettre français à sous côté ou sont à tout lié sont à tout on côté arriver et là sur pas maintenant je pense que vous avez raison parce que même le fait que je parle français moi mon côté m'attend d'espagnol là sans aucun problème pas pratiquer parce que je parle assez anglais donc ce qui signifie que faut que réellement la politique éducative nous aujourd'hui à langue avec ça qui a passé là non pas qu'un bêtis haïtien la caillou bon, Biden n'a lui-même une bonne dernière partie là donc il faut que la langue anglaise et YouTube aujourd'hui on pas besoin comme si elle tournait en Britain ou on a bien parlé anglais ou pas comprendre comme professeur aujourd'hui à et des outils qui capable permettre que vous prenez l'anglais le plus rapidement possible. Quand il y a un pile monde qui traverse, quand il y a plus haïtien et plus dominicain qu'aux États-Unis, mais salaire que vous payez aux États-Unis, partie du monde que ça le paye aux États-Unis parce que vous payez chaque semaine. Ou avec Jésus-Christ chaque week-end. Chaque week-end. Donc ça vous avez plus facilité pour vouer l'argent en Haïti. Faut pas négliger Chili, faut pas négliger Brésil. Il dit tout espace ça, l'Europe également, qu'a voué l'argent tout, mais plus gros partie l'argent sorti du côté des États-Unis à plus de 70% en quelque sorte. Et c'est pas sans raison, c'est côté ça a nous commencé, mais nous avons regardé, même réflexion ça, c'est diaspora, il y a plusieurs activités diaspora fait déjà, c'est pas nous pas inventer, nous sommes capables de dire un compte diaspora. Haïtien la diaspora, côté Miala, si c'est bal, si c'est compas, si c'est festival, ou t'as pour que un pile sponsor parle là-dedans, mais réflexion scientifique ça, qui là, Raphaël, vous posez. Ça, ça, son maladie lié, oui. Et où on ça, les secteurs privés. Donc, n'a pas les secteurs privés bal, mais moi j'ai laissé quelque chose à côté de là, du secteur privé et diaspora, dans l'état que m'y a là, il n'est pas impressionné. Mais qui je explique que même deux là, comme ça, Haïtien va faire business ensemble. Bon, ça c'est une bonne question. Nous bons amis depuis une petite, nous grandis ensemble. Dès que nous avons mis nous ensemble, nous faisons business amitié à casa. Et en plus, nous pas mettre business ensemble, mais nous avons un problème. Tout c'est que nous toujours pensons que nous pas qu'à organiser la communauté par nous. Parce que si vous regardez les Haïtiens, côté de mettre l'argent là-bas, transfert, tout ça est supposé, c'est des forces qui ont été représentées. C'est ça qui a été représenté. Mais ils sont capables de venir à bien travailler, ils ont une belle caille. Ou même l'esprit a ou avant l'heure ou pas capable réellement mettre des business ou parce que tout haïtien ça dans la zone non si nous mettez des business autre que faire restaurant et danser c'est dans deux bagages ça nous fort
c'est ça qui bon l'aime d'une fois je pose que fait il a c'est pas menti c'est pas menti non c'est pas menti c'est pas menti et parce que côté mien là moi dans zone là m'a parlé avec des monde pour lui on est venu là il dit ou dit Kyle Miami son bail tête chargé gars il s'est quitté zone là parce que tellement les vénézuéliens les brésiliens à cause de mouvement politique qui rive l'autre bord ça qui entre là tête Kyle monte tête nègre Kyle monte tête nègre on voit ça dernier fois on côté Kyle était bon marché dernier fois m'batti amné Kyle yo chéri bon moi rive des côtés moi pense comme c'est Manhattan gagner il dit que pour lui acheter dans Miami il y a fait construit parce que Manhattan gagner et pas deux bagages qu'a fait pas deux constructions qu'a réalisé non un petit séjour ça fait mettre que moi économie changer mais est-ce que haïtien au bénéficiaire de même poser à Alex sur une question pour me dire Alex mon cher on était très impliqué on époque là Miami que soit là fait football là fait économie fait conférence moi dit mais et comme si me pouvait bon bac qui fait malgré plus haïtien son constat m'a dit c'est ça lié mais c'est qualité ou c'est qualité là qualité à vous beaucoup oui. Question et Marie-Raphaël pose maintenant et bagage d'eau et pas gain un business haïtien qui yo même répondre et comprendre ça qu'va passer là et pour ouais qui intérêt rien même pas critiquer c'est peut-être éducation hein, si a bien conférence là expliquer ça gain non seulement pour organiser en Haïti mais également au niveau de la diaspora bon mando non parce que nous pas va la cabine là bon mando ça et tête charge nous là me connaît au dehors mais on branche parce que on t'attend de nous parce que c'est pas seulement t'attend de nous et autant de l'autre radio tout et la pays là pendant on parle là pays où on te quitté et pendant parti ou aller ou dans le mariage ou d'aller là tourne là et pas pays ça du tout là non et donc sous un mois là Haïti subit des bagailles m'pas connait qui l'est n'a lever à terre non là bagaille qui a bouler qui a craser là et là coût économie économie en prend là. Si nous n'avons pas de support et international, et qui s'appelle ça va le faire là? Même pas de Haïti fait camper. Parce que oh, depuis un mois, l'État haïtien campé. Pas un ministère qui ouvre. Pays a, son pays n'a pas fonctionné. Et jusqu'à présent, ma parole là, c'est pas qui continue à craser le pays a. Que nous n'avons pas même déjà. Sans compter ça craser avant déjà. Et qui s'appelle ça va là pour le redresser? Les nous suspendre gazé. Bon, bon moi et toujours dit haïtien la diaspora, gagne fait en dehors qu'a fait de gros analyse sur Haïti. Et sans ça dit à l'heure là et moi ça que me gagne dehors, me connais son l'autre pays totalement que lié. Dit que et c'est comme si tu apprends entreprise, pays a son gros entreprise que lié. Et soit analyser là, ça me surprend là de 29 février à nos jours. Parce que regardez qu'on y a là lorsque vous parlez de Saint-Vincent, je dis oui. Puis, préférez une partie, attention, vous dites non, parce que par contre, ça peut arriver par la suite. Le NAP analyse une entreprise, nous gardons bilan, nous gardons income statement, nous gardons cash flow. Haïti, c'est même bagaille pour garder aujourd'hui à la. Bah, la vie est plus grave parce que, vous dites que l'État n'a pas fonctionné. Donc, il dit l'argent n'a pas entré. L'argent n'a pas entré. Ça, c'est aspect income statement, c'est entrer avec sortir. Ça n'a pas de trop de problèmes, non? L'offre, on lock. Si vous faites un lock dans le pays, après c'est les gens qui ne sont pas déplacés, après vous ne pas craser rien. C'est entrer et sortir l'argent qui est le problème. C'est dans le budget. L'État n'a pas entré comme, il faut le dépenser. Eh bien, il y a la banque centrale à le prêter, la bonne déficit budgétaire. Il y a des conséquences, oui, mais ça n'a pas mal. Mais bilan, il faut que nous comprenions ça. C'est actif avec passif pays. Parce que même particulièrement, même tu as parlé de budget, même tout le monde, on n'a pas arrêté un budget simplement. Il faut regarder le bilan. Actif avec passif pays. Jodi à là, en moins de 30 jours. Bon, préférez des points de tremblement. Je vais exagérer. Préférez des points de tremblement de 7.4 jours à Taïwan pour là. Parce que bah, ça va durer plus qu'une minute. Après, bagay crase, au final, on recommence. Mais le fait que il faut craser, ou briser, quel est l'État, quel est le business privé, parce que c'est actif là pour permettre qu'on continue en quelque sorte. Donc, jodi à et faire ça à quelqu'un là, il pime mal contre un tremblement de terre. C'est comme si par exemple, vous comprenez le magnèque, bon, il prend et bien tuer au fini. Mais si la tuer à petit feu, situation est beaucoup plus difficile. Donc non seulement l'argent pas rentré, budget a un problème, mais bilan, parce que faut l'État qu'on a réinvesti dans l'hôpital, il a boulé, dans l'école, il a boulé. Et mon dans le secteur privé, il n'y a pas qu'à réinvestir encore, donc pas de emploi. Ou so dit là, moi en pile mon a couru besoin prendre pouvoir encore conseil présidentiel, il y a parlé des premiers ministres.
vrai problème pays c'est comment nous allons remettre pays ça sous pied parce que trop bagay écrasé donc actif yo disparaît il faut remplacer actif ça yo on va même gagner l'argent pour aider plus que 5 millions monde qui en situation de sécurité alimentaire donc on parle d'un problème et conjoncturel et structurel ça fait peur nous même m'a analysé le pour là parce que m'a pas vraiment directement impliqué l'État, l'homme dit l'État, le gouvernement. Mais on m'a dit le ministre des Finances là, depuis longtemps, m'a pris une bataille là pour me dire comment on est capable. Service de la dette là, qui deux postes dans le budget l'année ça, comment au lieu que nous baillons l'argent ça, que nous retournons dans l'économie pays, bon, même si on a bon comme ça, le pas suffisant, tellement de besoin, l'université crasée, dans l'hôpital qui crasé, quel te privé encore que public, pour ta remettre le pays ça sous pied. Et secteur privé là, nous parlons de Delma, nous parlons de tabac, nous crasé dernièrement là, nous croyons que nous sommes côté que nous avons fait toute activité sous traitance. Donc c'est pas deux chocs qu'on prend là. Centre-ville là, c'est pas mal. Port-au-Prince. Ou pas besoin d'un spécialiste en économie pour connaître que vous pouvez faire sixième année consécutive de contraction produit intérieur brut là. Moi expliqué déjà le micro ça plusieurs fois. Qui ça qui ont année fiscale et bon coïncidence qui est intéressante pour nous là. Nous commençons 1er octobre, 31 mars là, premier mi-temps année a fini. C'est 6 mois. Si par exemple on joue match de football, la fin premier mi-temps, on ramasse 4 à 5 goals la fin premier mi-temps. Basketball ou capable de couvrir plus, mais dans le football, m'pa kwè pou ka remettre 5 goals dans la deuxième mi-temps. Donc, qui veut dire que nous avons garantie, quel que soit ça qui passe, même si nous avons une solution là, la semaine prochaine, il n'y a aucune possibilité pour payer ça pour une reprise dans les 6 derniers mois, yo, qui commence le 1er avril, qui va finir le 30 septembre, pour nous reprendre l'année. Donc, nous allons faire 6 années consécutives de contraction économique et année ça a pidu, année ça m'pa saisi que. Nous commençons à travailler sur les pour nous garder comment la contraction arrive. Dans la COVID, nous avons moins 3,3%. Nous pensons que nous avons moins 5% pour ne pas espérer. Alors, négativement, nous sommes arrivés à 10% de contraction économique. Donc, question, mais comment nous répondons-nous? Même bon chiffre, ça veut dire que la misère est plus raide, parce que plus de monde dans la situation de pauvreté. Et, ça, c'est court terme, non? Mais, est-ce que les qui parlent de l'école sont allés perdus? Oui. Perdus. Donc, il veut dire que si mon ça l'elle perd du année ça comment va reprendre qui l'école va reprendre t'as parlé de révolution dans le pays là mais révolution t'as supposé à fait regarder comment pour construire tout mais c'est une révolution qui a crasé toute bagaille et qui pas quitté rien donc blanc lui même il y a l'autre problème ni jodi a pendant on a parlé là Israël cap attaque et le problème avec l'Iran là et comme la braler en Ukraine ni braler en Israël pas il va penser à nous mêmes il va penser à nous mêmes on a un électoral de ce qui signifie que on gore une soirée qui pour ta relancer activité avec extrêmement divisé. Donc c'est une situation vraiment que 2024 là pas beau pour nous. Et là non soit se dire moi penser dans recherche qu'a fait pour joindre une solution et faut mon yo ta commencer réfléchir faut ta gagner des monde qui c'est vraiment de bon citoyen haïtien, bon interlocuteur qui capable comme si m'ta dit aller joindre étranger parce que là on pas quoi gon graisse cochon pral ka cuit cochon aller joindre gros moun bailleur et international yo et gros multinational yo faut nous ta gen haïtien qui ka fait ça c'est ça l'autre t'a parlé de rôle moun qui dans diaspora yo ou t'as parlé de lobby et yo ka fait parce que aller Washington par exemple aller l'autre côté tout c'est pas seulement États-Unis supposé qui gagne donc que pour yo ta wè comment nous ka joindre des prêts pa konnen en tout cas des financements pour nous commencer poser des actions là ouais te mon dia financement en fait sommaire m'pa gagne autant d'ambition non c'est pas pour ça n'te fèl mais il était supposé un déclic pendant que je dis à la mon bataille qu'est-ce qu'a président conseil et qu'est-ce qui va le premier ministre et c'est ça que l'entête capable dit groupe politique je dis à est-ce que il y a un groupe pour ta une commission économique et financière totalement séparée pour n'a garder quelle quantité de dégâts qui fait là
et qui comme n'a pas capable de joindre tant sur le plan multilatéral, sur le plan bilatéral et également au niveau de diaspora tout pour nous reconstruire pays ça. Parce que je dis à bah, la pas seulement politique, nous pas qu'on va faire des qui consensus nous comment que la vie tête nous là blanc va y aller la dingo que chita pas ensemble et la paix conséquence là. Mais je dis à où mon gars prend pouvoir après qu'on y a ou président conseil ou premier ministre après pas gagner l'argent la paix extrêmement difficile d'ailleurs comme faut analyser et peuple va pas attendre lui même. Ah, c'est ça qui passe, oui. Peuple pas content lorsque il gagne pour un bandit, mais il finit pour un bandit. Gagoule va être lui-même là, oui. Et il va poser problème pour même aujourd'hui dit là. Autant que peuple pas content que Ariel a allé, que c'est si c'est là. Mais qu'on y a là, ou même qui te vini, qui te promet, il va aller, quel que soit contre, quel que soit l'accord hier. Ou pas qu'elle dit bon, bah, il va passer ici, bah, il va passer là. Donc, il faudra que nous financement ça, mettre là que. Et Maria Fès est utilisé et c'est ça lié financement sur plusieurs niveaux comment pour nous remettre les pays ça sous pied et pour nous reconstruire différemment et je dis à ça que nous parlons pas d'un pile de régions dans son mer parce que l'on concentre toute bagarre dans Port-au-Prince même si nous habitons Mol Saint-Nicolas ou bien nous habitons Chardonnier c'est rime d'après nous si nous même qu'a plein dans diaspora et qu'a plein dans Port-au-Prince là chaque matin m'a appelé mal tendu Maria Fès la cour dit m'a dit oh jamais c'est le pire pour eux parce que budget a clairement montré ça. Budget a mis ça, c'est 320 millions de gouttes. L'on divise le par population haïtienne. Nan. Chaque haïtien retrouve autant de chiffres là, avec 23 000 gouttes, si nous faisons de manière équitable. Oui. Si nous faisons chaque monde, même quand tu as un budget, chaque monde a 23 000 gouttes. Attention. Peut-être que tu as fait comme ça, 23 000 gouttes, même de travail, je fais 66 000 gouttes. Par exemple, le mois prochain, non? Parce que le budget c'est annuel lié. Oui, l'année prochaine, il y a bon 23 000 gouttes. Chaque 12 mois. Chaque 12 mois, c'est ça le budget. Maintenant, attendez bien, et pour comprendre, ça n'a pas vu Port-au-Prince. C'est un coup, nous avons parlé tout à l'heure de l'entreprise. Si vous avez besoin de garder l'entreprise, comment le gérer? D'abord, regardez l'état de résultat. Bon, faire bon tout chiffre, ou après, qui décide de décision prendre l'entreprise. On paye ces mêmes bagailles. Je dis, je suis capable de prendre. Nous avons un livre actuellement de croissance pour le 30e anniversaire, là, soit faire budget, parce que nous parlons plus de budget. Nous prenons le parti pour montrer mes chiffres. Le 320 milliards de gouttes là, chaque monde a 23 000 gouttes de l'ensemble. Même si nous-mêmes qui étions dans Port-au-Prince, là, comme nous avons près de 47 000 gouttes per capita. Le fait que nous avons Port-au-Prince, nous avons 47 000 gouttes. Si vous quittez Port-au-Prince, vous allez dans le sud-est, vous avez 2 000 gouttes. Mais comment il fait répartition budget là? 47 000 gouttes l'été, dans le département de l'Ouest, pour ne pas dire métropolitaine, là, reste département. Yo, pas de plus que 5 000 gouttes par habitant. Donc là, on n'a pas 4 000 gouttes qui ont gonflé dans Port-au-Prince là. Et bien, c'est politique budgétaire qui est mal faite parce qu'on concentre l'argent dans l'espace sur les Port-au-Prince. Donc ça, Port-au-Prince a subi là, c'est parce que Port-au-Prince s'est mis tout bon bagaille, puis bon l'école, puis bon université, puis bon l'hôpital. Tout est relatif par rapport à reste côté. On n'a pas égaré. On a quitté côté hier, après, il y a bien Port-au-Prince. Il y a qu'on fait le blague ça sur Monokai. Il dit pourquoi ça grand pile mon local dans carrefour comme ça ou même c'est Petroville habite Maria Fès dans notre pays de Petroville tout nous même c'est carrefour habite très souvent c'est parce que nèg ou kay lè ou rive carrefour ou pense rive porte presse tout rete ou kay ou tout rete carrefour et ça fait lò ou carrefour pour choc pou après tout prend la rue rete dans la caillou. Donc en ce sens cette concentration j'ai que gérer budget j'ai partager l'argent en dans budget et bien c'est ça que Port-au-Prince a payé là. On t'a pas là où dit à l'heure là qu'on bon bagage qui vient en crise là tout. Je dis après là pour Port-au-Prince pas fonctionner moun saute Miami y a le cap aider au cap y a le cap par avion. C'est pour mauvais bagage que lié. Donc faut commencer développer pays à pour suspendre concentrer toute bagage dans zone métropolitaine de Port-au-Prince là sous chaque 100 gouttes qui entre dans taxe plus que 90 gouttes c'est Port-au-Prince qui génère. L'ensemble des départements pas générer 5 gouttes. Nous allons dire, ah, mon département n'a pas payé de taxes. Mais nous allons expliquer tout à l'heure à tout. Ou pas vouer l'argent, ou pas créer emploi, ou pas faire activité en un département, nous sommes capables de payer de taxes à tout. Tout à fait. Et c'est tout ça qui est entré dans la finance publique là. Il faut que les bagages descendent à terre et que les diaspora que nous mettons en discussion ou se disent comment financer l'État haïtien autrement. À savoir, pour que nous séparions l'argent budget différemment, pour que nous fassions même banque tout, un bon banque.
on prend banque en général dans le pays d'Haïti. Mon chip ça déjà, oui. Dans fin journée, on va collecter l'argent dans le pays. Ya. 82 gouttes, c'est zone métropolitaine qui a un dépôt là-dedans. Après, reste là. On va jouer 4 gouttes dans le département nord. On va jouer 3 gouttes dans le département Latibonite. On va jouer 3 gouttes dans le département sud. 4 départements, ça fait 95% de dépôts bancaires. C'est 5% pour le pays. Ya. Donc, on a plusieurs chiffres que le budget, que le dépôt, et tout ça, c'est l'argent. Et c'est la réflexion sur mes finances pour nous montrer que nous avons construit le pays à mal. Si nous n'avons pas réfléchi, retourné différemment, là pour retourner sur le même problème. Donc il faut que nous déconcentrions le pays. Parce que lorsque nous concentrons financièrement comme ça, nous venons nous dire n'importe quoi comme n'importe quoi, c'est un canapé vert. Eh bien, mais ça qui passe. Donc il faut que nous repensions pour nous mettre l'argent de l'autre côté dans le pays. Et c'est ça un petit peu la réflexion. Et je pense que vous dites un peu lui là. Mais le secteur bancaire va parler là. Les points, notamment banque privée, bon, BRH, tout parce que BRH pas qu'à fonctionner en bas encore aujourd'hui.